le duc de Cornouailles était de retour sur ses terres ce 9 mai. Le prince William, qui a hérité de ce titre suite au décès de sa grand-mère Elisabeth II en 2022, a effectué un nouveau déplacement en Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre, ce jeudi. Tout en suivant de près le chantier qu'il a récemment lancé dans la région pour lutter contre la pauvreté, l'héritier au trône s'est accordé une pause sportive sur la plage. Publicité: le prince William a été accueilli par une large foule lors de son arrivée sur la plage de Fistral. Le prince de Galles avait rendez-vous sur place avec des sauveteurs du club de Holywell Bay et de Newquay Surf, qui sont en pleine préparation pour la saison estivale. Le genou dans le sable, le fils de Charles III a notamment pris part à une formation au massage cardiaque avec de jeunes sauveteurs. S'est ensuite improvisé un match de beach volley avec des enfants et adolescents. Le prince William a démontré, une fois encore, son vif intérêt pour le sport et son goût de la compétition, qu'il partage avec son épouse Kate Middleton. Je n'arrive pas à croire qu'il s'est arrêté pour jouer avec nous, c'était incroyable. Et il a un bon service. A commenté un certain Beck, 13 ans, comme l'a rapporté Hello. Le prince de Galles a également pris le temps de dédicacer le plâtre d'un autre jeune participant. Ne le dis à personne. Je ne suis pas censé faire ça. Lui a-t-il glissé. La famille royale sur tous les fronts tandis que le prince William se préparait à partir en Cornouailles, depuis Windsor, où il vit avec Kate Middleton, le reste de la famille royale était sur le pont mercredi. Le roi Charles et son épouse Camilla ont tenu la première garden party de l'année dans les jardins de Buckingham, avec la princesse Anne, le prince Édouard et son épouse Sophie d'Édimbourg. La firme a ainsi boudé la cérémonie organisée par le prince Harry pour célébrer les 10 ans de ses Invictus Games, à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Le duc de Sussex a tout de même pu compter sur le soutien des Spencers.